dernier jet de la société Air Mauritanie vient de mettre en service dans l'intérêt que vous portez personnellement au transport aérien dans notre pays. Ce transport aérien, facteur déterminant du développement économique et social, et particulièrement dans un pays aussi vaste que le nôtre, avec des appareils du type DC-3 et DC-4. Pour redynamiser alors la société qui constituait une charge trop lourde pour l'État et dont les statuts et la structure étaient inadaptés au transport aérien. Nous avons plus de 300 employés, dont un Français et un Américain. Les stages de recyclage et de perfectionnement sont régulièrement dispensés, aussi bien par les moyens propres de la compagnie